12 avril 1981, la navette spatiale Columbia décolle du Kennedy Space Center avec à son bord John Young, véritable vétéran de l'espace, et Robert Crippen qui lui effectue ce premier vol spatial. Ce n'est pas n'importe quelle date, car le 12 avril 1981 précisément fut le jour du premier décollage du programme navette pour la mission STS-1. 7, 6, 5, 4, we've gone for main engine start. STS veut dire Space Transportation System, ou Système de Transport Spatial. La mission fut un succès, et deux jours après le décollage, la navette est de retour sur Terre, ouvrant la voie à un programme de vol habité historique. Mais avant de vous en dire plus, il faut remonter aux années 70. Dans les années 1970, la NASA réfléchit à concevoir un véhicule dont le but est d'être réutilisé et lancé à de nombreuses reprises, afin de diminuer les coûts par lancement, et ainsi de réfléchir au prochain programme de vol habité une fois que les missions Apollo seront finies. Des maquettes sont faites, et celles-ci sont présentées au président américain de l'époque, Richard Nixon. Nixon choisit la navette spatiale, et à partir de ce moment-là, le programme navette était né. Le but des navettes est de se rendre non pas vers la Lune, mais en orbite basse, afin d'envoyer des satellites en orbite, lancer différentes sondes dans le système solaire, voire même construire une station spatiale. Les navettes, et oui je parle bien au pluriel, sont conçus de sorte à décoller comme une fusée et de revenir sur Terre à la méthode d'un planeur. Les navettes sont équipées de 3 moteurs SSME pour Space Shuttle Main Engine, développant une poussée totale au décollage de 5580 kN ou 569 tonnes. La navette est collée à un immense réservoir externe contenant de l'oxygène liquide et de l'hydrogène liquide, alimentant les SSME. Deux SRB ou boosters sont fixés sur le réservoir externe, produisant la majeure partie de la poussée. Sur la navette, vous pouvez constater deux petits moteurs. Ces moteurs, appelés OMS, trop peu puissants, ne sont pas utilisés au décollage, mais ils sont utilisés après la séparation du réservoir externe pour finaliser la mise en orbite. Ils servent surtout à se désorbiter.
Comme je l'ai dit, la navette est conçue pour entrer sur Terre à la méthode d'un planeur. Et pour cela, la navette est conçue avec des ailes gothiques. Vous me direz sûrement, pourquoi il nous parle des ailes gothiques ? Tout simplement que les ailes des navettes ont été inspirées par un avion de ligne bien connu, le Concorde. Afin d'assurer plusieurs lancements chaque année, il est indispensable de construire plusieurs navettes. En tout, 6 navettes furent construites. Enterprise, Columbia, Challenger, Discovery, Atlantis et Endeavour. Ces navettes ont toutes voyé dans l'espace, sauf Enterprise, qui elle était une navette test servant à tester les façons de planer d'une navette après une rentrée atmosphérique. Le succès des navettes se poursuit sans encombre jusqu'au 28 janvier 1986. Engine start, 4, 3, 2, 1, and liftoff. Liftoff of the 25th Space Shuttle mission, and it has cleared the tower. Control program confirmed. Challenger now heading downrange. Engines beginning throttling down now at 94%. Normal throttles for most of the flight, 104%. We'll throttle down to 65% shortly. Engines at 65%, three engines running normally, three good fuel cells, three good APUs. Velocity 2,257 feet per second. Altitude 4.3 nautical miles, downrange distance 3 nautical miles. Engines throttling up, three engines now at 104%. Challenger, go at throttle up. Challenger, go at throttle up. Seconds. Velocity 2,900 feet per second. Altitude 9 nautical miles. Downrange distance 7 nautical miles. Flight controllers here looking very carefully at the situation. Obviously a major malfunction. Le 28 janvier 1986, la navette spatiale Challenger décolle son pas de tir pour la mission STS-51L. 73 secondes après le décollage, Challenger se désintègre devant des milliers de spectateurs, dont les membres de famille des équipages. L'accident est dû à un joint torique qui a cédé à cause de la température très basse qui régnait la veille du lancement. A cause de cela, des flammes sont dirigées vers le réservoir externe et par la même occasion, font fondre le joint qui maintenait le SRB en place. Le SRB heurte le réservoir externe et à peine une seconde plus tard, la navette fut totalement désintégrée, tuant l'intégralité de son équipage. Le but de la mission était de déployer le satellite TDRS-B, de larguer la plateforme Spartan et d'observer la comète de Halley. Mais pas que. À bord, il y avait Christa McAuliffe, une enseignante. Elle fut la première passagère civile pour un vol spatial. Elle fut sélectionnée pour redonner goût au programme spatial aux Américains et ainsi donner des cours à ses élèves depuis l'orbite. Si vous voulez savoir les raisons exactes de l'accident de Challenger, je vous conseille vivement d'aller voir la vidéo de Stardust qui parle de ça. Après l'accident de Challenger, les navettes sont clouées au sol jusqu'en 1988, date du premier décollage après la tragédie de Challenger. Les navettes ont permis de lancer plusieurs sondes, comme la sonde Magellan, Galiléo et Ulysse. Des télescopes dont Chandra et le bien connu Hubble. D'ailleurs, la navette a beaucoup visité Hubble. Le 29 juin 1995, la navette Atlantis s'amarre à la station Mir lors de la mission STS-71.
Cela faisait 20 ans qu'il n'y avait pas eu un amarrage entre Russes et Américains. Le 17 juillet 1975, le premier amarrage se fait entre Soviétiques et Américains pendant la mission Apollo-Soyouz. Ce premier amarrage entre les deux puissances ont marqué un terrain d'entente et une entraide amicale. Comme je l'ai dit il y a quelques instants, la navette spatiale a beaucoup rendu visite au télescope Hubble. Le 24 avril 1990, la navette Discovery décolle en portant avec elle le télescope Hubble. T-minus 13 seconds. T-minus 10, go for main engine start. We are go for main engine start. T-minus 6, 5, 4, 3, 2, 1, and liftoff of the Space Shuttle Discovery with the Hubble Space Telescope, our window on the universe. Mission Control Houston. Roll program. Roger, roll, Discovery. Une fois que les premières images prises par Hubble arrivent sur le plancher des vaches, on s'aperçoit que le télescope a un défaut de construction. Hubble a une aberration optique. Les images sont floues et on ne peut pratiquement rien discerner. Le télescope est inutilisable. C'est con pour un télescope à plus d'un milliard de dollars. Il faut donc changer la pièce défectueuse, qui est le miroir principal. Le rôle d'un miroir dans un télescope est de recevoir une lumière et de la dispatcher. Sauf que le miroir principal de Hubble n'a pas été suffisamment poli pendant la conception, et la lumière que Hubble recevait heurtait le miroir, mais il ne renvoyait pas la lumière correctement. La mission STS-61 fut la première mission de sauvetage de Hubble en 1993. Four, three, two, one, and we have liftoff. Liftoff of the Space Shuttle Endeavour on an ambitious mission to service the Hubble Space Telescope. Roll program, Houston. Roger, roll, Endeavour. La pièce fut changée et les observations peuvent commencer. Le 11 février 1997, la navette Discovery décolle pour une nouvelle mission de maintenance lors de la mission STS-82. T-minus 15 seconds and counting. All systems go. T-minus 10, 9, 8, 7. We have a go for engine start. 5, 4, 3, 2, 1. Ignition and liftoff. Discovery now on its way to service NASA's Hubble Space Telescope. Houston now controlling. Roll program, Houston. Roger, roll, Discovery. Roll maneuver is complete. Le but de cette nouvelle mission est de perfectionner encore plus le télescope au niveau optique, guidage et informatique, afin d'assurer une durée de vie plus longue au télescope. Le 20 décembre 1999, la navette Discovery, oui, encore elle, décolle pour une nouvelle mission de maintenance, STS-103. 9, 8, 7, we have a go for main engine start. 4, 3, 2, 1, we have booster ignition and liftoff of the Space Shuttle Discovery on a mission to repair the Hubble Space Telescope as we venture into the 21st century. Discovery, roll program. Roger, roll, Discovery. La nouvelle mission est de remplacer des gyroscopes, améliorer une fois de plus les systèmes informatiques et améliorer les systèmes de communication. Le 1er mars 2002, la navette Columbia décolle pour une nouvelle mission de maintenance de Hubble, STS-109. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 8, 4, 3, 2, 1, and liftoff of Space Shuttle Columbia to broaden our view of the universe through the Hubble Space Telescope. Houston now controlling the flight of Columbia. Cette nouvelle maintenance consiste à installer une nouvelle caméra, de nouveaux panneaux solaires et un système de refroidissement pour la caméra NICMOS. Ce fut le dernier vol réussi de Columbia. Je vous en parle tout à l'heure. À 400 km au-dessus de nos têtes, orbite la Station Spatiale Internationale. D'une masse de 400 tonnes, elle n'a pas pu être lancée d'un coup. Il a donc fallu l'assembler bout par bout en orbite. Et c'est là que la navette fut très très utile.
Le 4 décembre 1998, la navette spatiale Endeavour décolle en portant le premier module américain de l'ISS lors de la mission STS-88. 11, 10, 9, 8, we have a go for main engine start. We have main engine start. 4, 3, 2, 1, we have booster ignition and liftoff of the Space Shuttle Endeavour with the first American element of the International Space Station uniting our efforts in space to achieve our common goals. Roll program. Houston's now controlling. Endeavour's rolling on a course heading northeast from the Kennedy Space Center toward a 240-mile-high rendezvous with the Zarya control module. Pour avoir plus d'infos sur le premier module américain, je vous mets ma vidéo en description. En tout, la navette a permis d'assembler 28 modules sur la station. Mais cette construction fut mise en pause le 1er février 2003. Le 16 janvier 2003, la navette Columbia décolle pour une mission ordinaire, STS-107. We have a go for main engine start. 5, 4, 3, 2, 1. We have booster ignition and liftoff of Space Shuttle Columbia with a multitude of national and international space research experiments. Houston now controlling the flight of Columbia, the international research mission finally underway. Roger, roll, Columbia. Columbia now rolling on to the proper azimuth for a 39-degree inclination to orbit. Shuttle in a heads-down, wings-level position for the 8.5-minute ride to orbit. 30 seconds into the flight, the three liquid fuel main engines beginning to throttle back in a three-step fashion to 72% of rated performance, reducing the stress on the shuttle as it breaks through the sound barrier. Columbia already 2.5 miles downrange. Le décollage se passe bien, mais un bloc de mousse isolante provenant du réservoir externe percute de plein fouet l'aile gauche de la navette, lancée à plusieurs milliers de kilomètres heure. Ce n'était pas la première fois que cela était arrivé. Les navettes ayant déjà subi les mêmes choses auparavant seront très saines et sauves sur Terre, mais avec des dégâts importants. La NASA prend cet incident à la légère, et il n'aurait pas dû. Lorsque la navette pénètre dans l'atmosphère pour effectuer sa rentrée, les capteurs enregistrent des températures bien trop élevées, et c'est à ce moment-là que le drame se produit. La navette se désintègre au-dessus du Texas, tuant la totalité de son équipage le 1er février 2003. Après l'accident de Columbia, un test visant à reproduire l'impact de la mousse isolante sur l'aile gauche avec la même vitesse est effectué. La partie de l'aile gauche, ou RCC, touchée par la mousse isolante, était classée comme très résistant et invulnérable. Je vous laisse regarder le résultat. Les vols reprennent en 2005, et des nouveaux dispositifs de sécurité sont effectués. Je pense que beaucoup ont déjà dû voir ces images d'une navette se retournant sur elle-même. Ce n'était pas pour faire joli, mais d'évaluer les dégâts sur la navette. Je m'explique. Sur le vol STS-114, un morceau de mousse isolante percute l'aile droite de la navette, et afin de vérifier les dégâts,
qu'ils soient importants ou pas, la navette fait un salto pour que les astronautes de l'ISS évaluent le dégât sur la navette. Un petit dommage apparaît et une sortie extravéhiculaire est effectuée pour réparer les dégâts. Ce nouveau dispositif sera obligatoire pour chaque navette se rendant à l'ISS. La navette fait sa dernière mission pour Hubble le 11 mai 2009, STS-125. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, and liftoff of Space Shuttle Atlantis, a final visit to enhance the vision of Hubble into the deepest grandeur of our universe. Bypass across the board, Scooter, no action. Houston now controlling, Atlantis on its way. Atlantis on its way, all three engines now throttling down as the area begins, as the vehicle passes through the area of maximum dynamic pressure. Atlantis. Houston, no action on the MPS H2 out P. Houston, we copy, no action. Atlantis, go at throttle up. Houston, Atlantis copies, go at throttle up. 7 miles in altitude. Une couverture thermique est installée et un mécanisme de capture est installé afin de désorbiter Hubble lorsqu'il sera en fin de vie. La navette fut un véhicule absolument incroyable, bien qu'extrêmement dangereux. Il s'agit néanmoins du véhicule spatial le plus dangereux de l'histoire, avec 14 vies perdues en tout. Le dernier vol du programme Navette est prévu pour 2011, et c'est la navette Atlantis qui ferme le bal, pour la mission STS-135. Le 8 juillet 2011, la navette est sur son pas de tir pour la dernière fois de son histoire. L'émotion est omniprésente tout autour du pas de tir. Cette dernière mission consistera à assembler le module Raffaello à la Station Spatiale Internationale. Firing chain is armed. 15. Go for main engine start. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5. All three engines up and burning. 2, 1. Zero and lift off, the final lift off of Atlantis on the shoulders of the space shuttle. America will continue the dream. Roger, roll, Atlantis. Houston now controlling the flight of Atlantis. The space shuttle spreads its wings one final time for the start of a sentimental journey into history. 24 seconds into the flight, roll program complete. Atlantis now heads down, wings level on the proper alignment for its 8.5 minute ride to orbit. 4.5 million pounds of hardware and humans taking aim on the International Space Station. 40 seconds into the flight, the three liquid fuel main engines throttling back to 72% of rated performance in the bucket, reducing stress on the shuttle as it goes transonic for the final time. Engines now revving up, standing by for the throttle up call. Atlantis, go at throttle up, no action, DPDT. Go at throttle up, no action on DPDT. That call from Capcom Barry Wilmore, a transducer, instrumentation only, no action required. Atlantis now 15 miles in altitude, already 16 miles downrange from the Kennedy Space Center, 1 minute 40 seconds into the flight. Atlantis flexing its muscles one final time. Atlantis traveling almost 2,600 miles an hour, 21 miles in altitude, 24 miles downrange, standing by for solid rocket booster separation. Booster officer confirms staging a good solid rocket booster separation. Guidance now converts time. The space shuttle's main engines have fallen silent as the shuttle slips into the final chapter of a storied 30-year adventure.
Now standing by for external tank separation. Ce vol fut également le dernier vol habité lancé par les Américains, qui maintenant utilisent les vaisseaux Soyouz pour aller dans l'espace. J'ai pas parlé d'un point très important de la navette. Son coût par lancement. La navette devait être réutilisée et devait nécessiter une maintenance après chaque vol, très courte et peu coûteuse. Mais ce qu'il s'est passé, c'est tout le contraire. Une navette coûtait par lancement $1 milliard, plombant le budget de la NASA. Et la navette nécessitait plusieurs milliers d'heures d'entretien après chaque lancement. D'autant plus qu'avec les tragédies du Challenger et Columbia, la continuité des navettes se raccourcissait de plus en plus. C'est d'ailleurs à cause de ce gouffre financier que la NASA peine à construire son futur lanceur lourd, le SLS, ou le Space Launch System. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un like, de partager et le plus important, abonnez-vous. Ça m'aide grandement. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée.